Et je vais pouvoir raffiner les minéraux, je sélectionne tout. Et là, comme je suis admiré par cette faction, ils me prennent que 1% de taxes. Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents. Je suis Che et poursuis ma partie sur Avorium. Je dois être à plus de 40 heures sur cette partie en particulier. J'avais présenté très rapidement précédemment la ruée vers l'Exodus, ici. Opération Exodus. J'ai complètement laissé tomber ce truc-là, j'y suis pas du tout retourné, j'ai toujours rien trouvé, mais après petite recherche sur internet, il s'agirait a priori de trouver une clé parmi plusieurs qui vont permettre d'ouvrir la barrière qui permettra d'accéder au centre de l'univers, donc c'est plutôt dans la fin du jeu. Donc j'ai complètement laissé tomber ce truc-là, j'y retournerai peut-être plus tard. Pour l'instant, je suis en cours d'amélioration de vaisseau et je chasse du pirate pour m'équiper un petit peu. Donc, petit rappel sur la carte, les longs traits bleus, ce sont les trous de verre, les trucs qui clignotent actuellement. Et les petits traits bleus qui restent maintenant, ce sont les portails que j'ai trouvés. Les portails qui s'utilisent avec des portes, il faut passer une petite taxe tout simplement, et c'est ça qui fait le lien entre les différents secteurs. Partout où il y a des points colorés, ça représente la présence de factions. Généralement, les trucs rouges ou presque rouges, ce sont des pirates. Ou en tout cas des factions adverses. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ma progression? Donc l'objectif, le but du jeu, c'est d'aller vers le centre de la galaxie toujours. J'ai fait plein de sauts et actuellement je suis en train d'améliorer largement mes relations avec tout cela qui sont maintenant admirés, donc les Émirats de Orwinir. Donc là j'ai trouvé pas mal d'intérêt à cette zone-là parce qu'il y a beaucoup d'astéroïdes de Trinium et de Xanion, donc ce sont deux ressources intéressantes. Et puis il y a ici plein de trucs, notamment une usine d'équipement ici, une autre juste à côté et une autre par là-haut, quelque part, ici, pas ici, si, ici, usine d'équipement, usine d'équipement, usine d'équipement, il y en a une autre quelque part par là également, donc ça fait 4 usines d'équipement plutôt proches et à portée de saut pour mon vaisseau, et donc c'est très intéressant pour trouver du matériel de qualité, et là tout de suite, eh bien, je vais sauter dans un secteur jaune, c'est-à-dire qu'on a un radar qui permet de voir les petits points verts qui clignotent ici, et avec une amélioration de radar, en plus on peut voir les petits points jaunes. Donc là par exemple c'est une signature de masse masquée, et là signature énergétique inconnue. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bouge mais on ne sait pas quoi. Et en l'occurrence ici il y avait une station de contrebandiers, j'ai cru que c'était des pirates, j'ai commencé à attaquer, du coup j'ai... Oups. On tire dessus, ça va pas du tout. Je vais, j'ai perdu mon bouclier là, je suis en train de me faire un bobo. Donc je vais juste ouvrir ce truc là, je voulais aller récupérer ça. J'ai trouvé une planque secrète, donc je vais ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Système de tourelle, quelques crédits, triple plasma tourelle, ça m'intéresse. 147 000 crédits, ok d'accord. Je me casse parce que je suis en train de me faire taper dessus, j'avais pas du tout remarqué ça, et je vais aller sauter par exemple ici. Toc. Donc je saute par là, j'attends que ça charge, ça va être pas trop long. Voilà. Et pouf, je saute. Donc pendant que je parlais au niveau de la carte, je me suis fait taper dessus par un cuirassé des contrebandiers. Donc j'ai perdu tout mon bouclier. Ensuite, j'ai donc arrêté de me faire toucher pendant plus de 30 secondes. Mon bouclier recharge doucement. Par contre, j'ai perdu quelques points de vie, on va dire. J'ai pris quelques dégâts, mais pas sévères. J'ai pas perdu de blocs. Et du coup, le truc vert, là, il va remonter tout doucement, petit à petit, parce que dans mon vaisseau, j'ai des mécaniciens. J'en ai beaucoup trop par rapport à la taille de mon vaisseau, mais j'ai des mécaniciens. Et les mécaniciens vont pouvoir réparer tout seul le vaisseau petit à petit, donc ça c'est pas mal. Mais si j'avais perdu des blocs, donc par exemple j'avais ce moteur là qui aurait sauté, eh bien il aurait fallu que j'aille à une station de réparation et que je paye. Qu'est-ce que je voulais faire maintenant? Présenter mon vaisseau Rapidos. Donc j'ai un petit peu amélioré par rapport à ce qu'il y avait précédemment, j'ai gardé un peu la forme vaguement tortue, scorpion, quelque chose avec quatre pattes.
Et je suis entièrement en trinium, un peu de xanion. Donc au niveau des ressources, on voit qu'on a le fer, on voit pas bien. Là, on voit mieux. On voit qu'on a le fer, le titane, le naonite, trinium, xanion, ogonite et avorion. Donc l'avorion, c'est la meilleure matière du jeu qui se trouvera au centre. J'ai pas du tout accès. L'ogonite, j'en ai pas croisé. Donc là, je suis vraiment dans une zone entre le trinium et le xanion. J'avais expliqué, je crois, dans la vidéo précédente. J'ai quelques petites unités autonomes de minage. Donc j'en ai une qui est au tout début, là-haut, et qui mine du fer. C'est pour ça qu'ici il y a plus de fer de temps en temps. Simplement que mon mineur vraiment basique, il récupère ça. Là j'en ai un autre qui fait rien parce qu'il n'y a plus de, il n'y a plus d'astéroïdes à porter. Et j'en ai un troisième ici. Et lui il mine du coup du trinium. Donc ça va permettre d'améliorer le vaisseau avec le xanion également. Pour construire un vaisseau, c'est facile, presque. On a cette interface. Par exemple, ici, je voudrais, admettons que je veux augmenter la puissance de mes moteurs. Eh bien, j'appuie sur la barre espace, ça importe le menu de construction. Là où il y a plusieurs options pour savoir ce qu'on veut mettre en évidence. Donc ici, j'ai tous les blocs de fer, ensuite j'ai les blocs de titane, ensuite j'ai les blocs de naonite, ensuite j'ai les blocs de trinium, et c'est avec le trinium ou le xanion maintenant, puisque j'en suis là, que je vais construire par exemple ça, le bloc moteur. Et avec le bloc moteur sélectionné, je vais pouvoir le placer où je veux sur le vaisseau, et puis je vais voir dans l'interface à droite qu'est-ce que j'obtiens comme amélioration. Donc avec un petit bloc, le plus petit possible, avec la grille à l'échelle 0,5, ça me donne plus un point de vie par bloc moteur. Donc si j'en mets un, deux, trois, quatre, cinq, à chaque fois, ça augmente mes points de vie, mon accélération, mais aussi, du coup, ça me pose un problème, puisque quand on accélère, ben à un moment donné, il faut qu'on décélère. Et pour décélérer, on a besoin d'un autre bloc, par exemple, le propulseur directionnel. Et c'est ce propulseur directionnel que j'ai mis ici, par exemple. Donc là, j'ai un moteur, en fait, à l'intérieur. Et j'ai mis du propulseur directionnel sur chacun des quatre blocs moteurs ici, dans tous les sens. Donc pour freiner, pour tourner. Donc le vaisseau peut tourner en roulis et en virage gauche-droite et en horaire anti-horaire. C'est très important et moi j'essaye de faire en sorte d'avoir une décélération en fait supérieure à l'accélération. Donc là j'ai une accélération de 98 mètres secondes et une décélération de 125. Parce que tout simplement, quand on pilote, donc là je suis sans turbo, je pilote normalement, et quand je vais faire le boost, eh bien je vais prendre beaucoup de vitesse d'un coup. Et donc là je vais monter à 3 ou 4 000, je sais plus. Je continue d'augmenter. Voilà, vitesse en haut, la barre rouge et bleue qui clignote, donc 3 700 mètres secondes. Et quand je lâche tout, eh bien il y a un certain temps pour décélérer. Et ce temps-là, il est important parce que quand on fonce sur un astéroïde ou une station ou un vaisseau adversaire, eh bien, on prend des dégâts de collision qui peuvent être assez importants. D'ailleurs, dans les options, on peut gérer ça. Moi, j'ai mis à 0,5 par rapport au taux de base que je trouve trop gros. Donc là, quand j'ai des collisions, je prends un petit peu moins de dégâts. Et voilà. Sinon, pour décélérer, on pourrait également très bien, par exemple, quand je change de direction, par exemple en avançant, on voit qu'il y a une petite croix bleue. Donc là, il y a la croix blanche qui donne le nez de mon vaisseau, et là il y a la croix bleue. La croix bleue, c'est le vecteur dans lequel je me déplace. Et je peux très bien aller par exemple par là-bas et me déplacer pour faire du crabe. Donc le temps que je décélère, je garde mon vecteur dans cette direction-là. Et une fois que j'aurai décéléré, forcément je suis à l'arrêt. Voilà. Donc, truc de base. Votre vaisseau minier dans le secteur ne trouve pas d'astéroïdes. Oui, effectivement, c'est celui qui est tout là-haut, là au milieu. Il n'y a plus rien à miner, donc pour l'instant, il fait rien. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? L'équipement. L'équipement d'un vaisseau. Donc on a des tourelles et on a de l'équipage et on a des systèmes. Les systèmes sont extrêmement importants puisqu'ils vont définir un petit peu ce qu'on va faire de notre vaisseau. Donc ici, j'ai des systèmes de contrôle de tourelles A. Les A, c'est pour avoir des tourelles armées ou civiles au choix.
pareil pour ici, mais c'est uniquement pour les tourelles M militaires. Et j'ai les tourelles civiles ici. C pour civil, M pour militaire, A pour hall. En fait, quand on est en hall, on peut mettre ce qu'on veut, mais on peut en mettre que plus 4, par exemple ici, pour un niveau exceptionnel, alors que quand je suis en spécialisé, c'est plus 6. Donc c'est plus intéressant, évidemment, d'être spécialisé. J'ai également un système de minage exceptionnel, matériaux avorion. Donc ça, j'ai eu la chance de tomber dessus. En fait, il va me permettre de détecter dans les astéroïdes, c'est pas ça que je veux faire, dans les astéroïdes quand je vais m'approcher. On l'a déjà vu plus précédemment, mais je vais le remontrer quand même. Donc là, je me rapproche du cœur du secteur. Quand on s'approche des astéroïdes, pour l'instant, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. C'est juste des cailloux sur l'écran. Mais petit à petit, il va y avoir quelques indications qui vont apparaître à l'écran. Théoriquement. Donc il y a une flèche bleue, faut que je m'arrête. Il y a une flèche bleue ici qui montre la direction. Ici, donc il y a un astéroïde qui est plein de trinium et ici un astéroïde qui est plein de naonite. Et pourtant, quand je m'approche du trinium, par exemple ici, bien, je ne vois rien, c'est juste un caillou. Et c'est ça le très gros intérêt du radar à système de minage. Donc en fait, c'est ce module ici. Système de minage, il va mettre en évidence ce genre de choses, donc les minéraux cachés, minerais cachés. Donc là, si je commence à miner, j'ai mes tourelles automatiquement, et une fois que j'aurai cassé la première couche de cailloux, à l'intérieur, on va voir le bleu du trinium, et il y a 136 unités. 136 000 unités. Et je crois que j'avais expliqué ça dans la vidéo précédente. Pendant que, quand on mine, par exemple, avec mes trois tourelles de minage ici, on voit qu'il y a précision, non, efficacité 86, et ici efficacité 74, et ici efficacité 73. En fait, c'est un pourcentage. C'est-à-dire que sur les 136 000 unités, je ne vais pas récupérer tout ça, je vais récupérer qu'entre 73 et 86% de ce total. C'est déjà pas mal. Mais en plus, les tourelles que j'ai maintenant, ce sont toutes des tourelles de air mining. Donc pour les matières RAW, donc les matières brutes. Ce qui fait que, une fois que la petite jauge blanche qui est ici aura complètement diminué, ce gros caillou sera complètement cassé et je vais gagner d'un coup environ 100 000 unités de trinium. Mais surtout, c'est au niveau de la soute que ça va se jouer. J'ai une soute ici qui est pour l'instant remplie de pas grand-chose, 11 000 iron ore. Mais c'est pas 11 000 ici de fer, c'est encore autre chose. Donc vous constatez au passage que le jeu est traduit en français, mais qu'il y a encore quelques trucs qui ne sont pas faits. Hein. C'est une traduction communautaire où chacun peut participer, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est aucun problème pour la compréhension générale du jeu. Et du coup, j'ai par exemple ici deux unités. Donc on voit quelque part, il doit y avoir un pixel, deux unités de trinium. Et là, j'ai du scrap. Le scrap, c'est par exemple les vaisseaux qui ont explosé, je récupère les pièces détachées. Et ces trucs-là, eh bien, c'est pas utilisable tout de suite. Ça veut dire que ça va pas se mettre dans la liste là-haut. Je vais devoir passer par une raffinerie pour récupérer tout ça. Et après, du coup, j'en aurai plus que si j'avais miné vraiment l'astéroïde. Je sais pas si c'est clair ou confus, mais bon, quand je le raconte, ça me paraît clair. Quoi qu'il en soit, je vais rester ici à rien faire, en fait, rien du tout. C'est souvent pas très passionnant, hein, le minage dans les jeux comme ça, à part on-off. On appuie sur le bouton et on attend que ça se passe, mais ça permet de faire ce qu'on peut faire. Donc il y a une deuxième caméra pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc là j'ai du xanion, c'est de là les jaunes, ce sont des xanions, et celui-là c'est du trinium. Et comme ça c'est une pierre en trinium, ça veut dire que les deux sur le côté ils minent plus vite. Donc là je suis quand même pas mal. Je ne suis pas spécialisé dans le minage non plus parce que j'ai que 3 lasers. J'essaie d'avoir un seul vaisseau pour tout faire. Et ensuite, c'est pas ça non plus. Si, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. Oui, c'est ça.
sur le vaisseau, donc j'ai trois tourelles de minage et tout le reste, ce sont des tourelles militaires qui sont par groupe. Donc le 6, 7, 8 pour moi. Le 6, ce sont les tourelles anti-chasseurs automatiques. Une portée courte, mais elles vont me permettre de tirer sur tous les chasseurs qui s'approchent un peu trop près et sur toutes les torpilles également. Donc là, j'ai rien à faire, je déclenche le 6 et les tourelles vont tirer sur ce qui s'approche. Et ensuite le 7 c'est juste pour tirer semi-automatiquement un petit peu plus loin. Et le 8 c'est mes deux tourelles de ray gun qui tirent très lentement mais qui font relativement mal. Donc là je suis à 645 par coup et celle-là 480 par coup comparé à une tourelle automatique qui fait 11 par coup ou celle-là qui fait 3. Voilà. Donc on est vraiment dans du plus gros mais c'est du snipe et c'est une fois de temps en temps. Dans les autres systèmes, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, j'ai l'amélioration de radar. Le radar, c'est quand on passe sur cet écran, les petits blips verts et jaunes. Donc, ça change la portée. Et puis, le scanner détecteur d'objets C43, eh bien, ça va me permettre de savoir s'il y a quelque chose d'intéressant dans le secteur. Il y aura un triangle ici qui clignote. Genre, attention, mais ça ne me dit pas où c'est. Donc, je dois m'approcher suffisamment proche. En l'occurrence à moins de 5 km pour avoir une indication plus précise. C'est bientôt terminé pour ça. Et quand j'aurai fini, je pense que je vais casser, ou pas casser complètement, mais je souhaiterais modifier un peu mon vaisseau. Je pense que je vais le rallonger d'une section et lui faire trois pattes, donc fusionner ses moteurs, les faire un petit peu plus gros et peut-être l'écarter un peu de manière à pouvoir augmenter tous les systèmes qui sont à l'intérieur. Sinon je suis plutôt satisfait du comportement de ce vaisseau pour l'instant. Il est relativement petit, trapu, donc pas trop facile à tirer dessus, et il se dirige bien. Pour moi, quelque chose qui se dirige bien, c'est au minimum, c'est pas là, je montrerai dans un instant dans la fenêtre de construction, si c'est là en fait. On voit ici virage, tangage et roulis. Donc là je suis un peu faible en gauche-droite, mais au moins j'ai 1 et 2 ici en tangage et roulis. Donc pour moi inférieur à 1, c'est vraiment insuffisant. Hop, j'ai donc récupéré du trinium, mais surtout du trinium sous cette forme là. Donc là j'ai 102 000 unités de trinium que je vais aller raffiner là-dedans, dépôt de ressources. Donc une fois que je suis suffisamment prêt, je vais avoir des quais de docking, d'accostage ici, et quand je m'approche suffisamment près d'un quai, je vais pouvoir faire du transfert avec la station. Toc. Et je vais pouvoir raffiner les minéraux, je sélectionne tout. Et là, comme je suis admiré par cette faction, ils me prennent que 1% de taxes. Ça veut dire que sur tout ce que je leur donne, ils récupèrent 1% et moi je récupérerai le reste. Mais en fonction des relations avec la faction, ça peut monter à, je crois, 10 ou plus 1%. Donc c'est important de faire ça dans une station où on est en très bonne relation. Donc admirer, c'est pas mal du tout. Je suis pas sûr, je sais pas si c'est le maximum, mais bon. Donc là, j'attends un petit peu, 30 secondes et quelques. Et du coup, tout ça, eh bien, ça va revenir dans mon stock. Donc j'aurai quasiment 200 000 unités de trinium et 90 000 unités de Xanion, donc ça va être pas mal pour améliorer largement mon vaisseau. Plus qu'à attendre, et je couperai la vidéo juste après ça. Je pense pas faire l'amélioration de vaisseau en caméra, c'est un peu trop long et rébarbatif, donc plus que je sais pas trop où je vais aller avec. Mais ce jeu est absolument prenant, il y a pas mal de choses à faire. Le piège éventuellement, c'est de le prendre comme une simulation spatiale. C'est pas du tout ça. Faut plutôt voir ça, à mon avis, comme un hack and slash,
dans l'espace avec construction de son personnage. Parce que les tourelles et tout ça, c'est vraiment basé sur le butin. Ah si, je vais peut-être me taper quelques pirates, juste pour voir. Là-bas, par exemple, il va y avoir des pirates. Hop. Calcul terminé. Alors, est-ce qu'il y a des gens là-dedans? Oui. Donc là, il me tire dessus et il me fait mal. Mais je lui fais beaucoup plus mal que lui ne me fait mal. Et ensuite, ce truc-là, il va laisser des choses. Donc là, j'ai des torpilles. Typiquement. Et mes tourelles automatiques, tirent dessus. Ravageur, pirate, 50 000 points de vie. Oui, ça marche. Donc c'est pas du dogfight, on n'a pas besoin de piloter dans tous les sens. Enfin, pas en tout cas avec un vaisseau comme le mien. Ce que je fais, c'est que je mets toujours l'arrivée des torpilles dans le bon sens. Parce que j'ai des tourelles que sur le dessus. Donc là, on voit bien que les rayguns font vraiment très mal. Hein. Dès que l'autre à gauche est chargé, ça va faire mal. Et ensuite il a explosé. Du coup il va laisser des déchets que je peux récupérer et parfois ces petits trucs là. Donc ça typiquement c'est du butin. Donc ça c'est du butin qui est peu commun, le vert. Le blanc c'est le butin commun, le bleu c'est le rare et le jaune c'est le exceptionnel. Il y a aussi du légendaire qui est vraiment très très bon généralement évidemment. Et si j'étais équipé, je pourrais également récupérer. Il est où le truc? Là-bas, il y a une épave. Je pourrais récupérer l'épave exactement comme quand on mine un astéroïde. C'est quoi ça? Hop. Donc là, il y a de la compagnie. Je vois mon bouclier qui descend vite. Ça me donne une idée de la difficulté du combat ici. Hop, j'ai raté, c'était pas la bombe, mais c'est pas grave. Donc là, on a du bouclier, ça va encore en fait. Peut-être que je peux gagner. Donc je laisse en fait tout en automatique, sauf les snipes. Juste les miettes parfois. Ensuite. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut s'équiper. On tape des pirates, ils laissent tomber des trucs. Et après, on récupère ce qu'ils avaient sur eux. Là, l'éclair, c'est très mauvais pour mes boucliers. On peut voir mes boucliers qui descendent. Je vais pas lui faciliter la vie non plus. Hop. Presque fini. Celui-là, donc lui il a pas grand chose non plus. Celui-là il va être plus difficile à toucher parce que c'est une baguette.
Les ray guns, là, ils tirent à plus de 13 km. Donc les vaisseaux sont faits de manière procédurale et souvent ils sont pas très inspirés par rapport à ceux de la communauté, des modeurs sur le Steam Workshop notamment. Donc là je récupère les miettes et je suis pas très content du butin de cette rencontre, vraiment pas terrible. Voilà comment ça marche. Et donc si j'avais des tourelles qui vont bien, je pourrais tout simplement aspirer ce vaisseau exactement comme on fait pour les astéroïdes, et du coup là il y a 5000 unités de trinium, et je pourrais également récupérer du matériel, mais je suis pas équipé pour ça, et je ferai ça un petit peu plus tard quand j'aurai agrandi mon vaisseau, parce que là je suis au maximum. Oui, un truc que je voulais montrer aussi, c'est au niveau du vaisseau. Donc là j'ai des systèmes qui sont installés dessus, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour passer à celui-là, il faut que mon vaisseau il fasse 12 500 de puissance de calcul, et là la taille actuelle de mon vaisseau, en gros il faut juste qu'il soit plus gros. La taille de mon vaisseau actuellement, c'est à peine 5000. Donc 5000, c'était ce qui était nécessaire pour en avoir un septième. Avant, j'en avais 6. Le septième, c'est à 5000. Et pour avoir le huitième, il faut que je passe à 12 500. C'est-à-dire que mon vaisseau, il faut que je le fasse deux fois plus gros au minimum que ce qui est là. Donc il va falloir que je travaille dessus. Je vais récupérer ça. Et du coup, bon, voilà comment ça marche pour la construction, le recyclage, le minage, la construction du vaisseau. Je suis allé trop vite. Donc ça, c'est un butin de base. Toc. Ce qui fait que maintenant, ici, j'ai récupéré trois bricoles qui servent pas à grand-chose. Et au niveau des tourelles, toc, on peut les trier comme ça. Pas terrible non plus. Donc je verrai un petit peu tout ça. Il faut que je vraiment que j'améliore mon vaisseau pour continuer mon aventure sereinement. Je vais ressauter dans un endroit civilisé, par exemple ici. Sauter là-bas, et puis après je coupe la vidéo pour travailler un petit peu sur mon vaisseau. À bientôt, merci d'avoir regardé ça.